Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette de magret de canard au miel et vinaigre balsamique et c'est une cuisson sous vide pour deux personnes. Pour la préparation, du côté peau du magret de canard, nous allons faire des incisions mais sans aller jusqu'à la chair. Si vous pouvez le faire aussi de l'autre côté, comme ceci. Je vais saupoudrer maintenant sur les deux côtés du sel d'ail, du sel de fleur d'ail fait maison et du poivre noir aussi. Je vais le retourner et saupoudrer de l'autre côté. Dans un sac sous vide, je dépose le magret de canard, l'huile de sésame, les tranches de gingembre, j'en mets une en dessous et une sur le dessus. J'ajoute maintenant la noix de beurre. Je vais maintenant saler sous vide. J'ai placé mon thermoplongeur dans une casserole et j'ai programmé pour 57 degrés Celsius. Et j'attends qu'il soit à 57 degrés. Ma température est à 57 degrés Celsius. Je vais maintenant plonger mon magret dans le bain d'eau. Je couvre pour pas qu'il y ait trop d'eau qui s'évapore. Et je vais mettre une minuterie de 2 heures, 120 minutes. Le temps est écoulé, donc je vais sortir maintenant le magret, mais je vais garder également la sauce que je vais déposer dans une petite casserole. Je le dépose sur un plateau de air fryer, mais ça peut être aussi. Parce qu'on va le faire rôtir pour un petit peu vraiment le rôtir la peau. Mais ça peut être fait dans une poêle avec un peu d'huile ou au four également. Simplement pour le plus haut possible à broil ou le plus élevé pour faire rôtir la peau. J'ai déposé mon magret de canard dans mon air fryer, comme je vous dis, ça peut être dans le four ou dans une poêle. J'ai mis mon air fryer au maximum et je vais maintenant le faire dorer. À surveiller. Pendant que le magret est en train de rôtir, je vais faire la sauce. J'ai mon jus de cuisson dans un petit poêlon. Je vais ajouter le miel. Ainsi que le vinaigre balsamique. Je vais bien mélanger et je réchauffe le tout et je vais réserver. Nous avons sorti notre magret de canard. Nous allons maintenant, il est bien rôti, nous allons maintenant le couper en tranches pour le service. Nous sommes rendus au service. Nous avons servi notre magret de canard sur des asperges. Nous allons ajouter le réduit de sauce. Et nous allons aller à la dégustation. Et Julia Child vous aurait dit: bon appétit!